Ses amis Wester des Amouna Bassa Production et Bassa Production Academy, c'est un plaisir pour moi avec nous aujourd'hui encore pour une autre leçon de basse. Et aujourd'hui, nous allons faire une leçon qui relève slap basse, qui gens ou capable slap. Donc, nous allons faire dans un niveau pour un bassiste qui déjà connaît jouer basse, mais qui pas encore trop avancé dans slap. Donc ça veut dire pour aller bail quelques techniques et pour connait qui sont capable slap. Gagner des bagailles qui très important dans slap là, les wap débuter pour bien comprendre. Gagne ça gagne on qui relé P, gagne on qui relé T. Droite pouce. Et puis PA c'est ça relé ploc là. Donc T qui c'est slap, c'est les wap slap. Et puis PA qui se ploc, c'est l'air où tirer note là comme ça va. Gen moun qui fait avec premier droite ou bien deuxième droite. Donc ou gen doit utiliser tout de, dépendamment de qui laisse na ressenti qui pi à l'aise pour ou. Par exemple, gen basse moi-même les maps slap nan yo me senti pi à l'aise pour me ploc avec deuxième droite là, tandis que gen un basse me pi à l'aise pour me ploc avec premier droite là. Donc pa gen yon principe vraiment. Donc ou gen doit ploc que ce soit avec premier ou bien deuxième droite, mais l'essentiel tout de se ploc. OK? Donc kon y a là qui ça qui important dans slap là, c'est premier droite pouce là, le wap slap c'est qui j'en pour positionner droite là pour que si m'ap slap par exemple et code mien pour me pas à jouer ou bien à frapper tout code là, et si m'ap slap code là qui j'en pour me pas frapper code mi ou bien code ré. Donc en réalité le wap slap là ou droite pouce là doit en parallèle avec code que wap slap là. Donc li pa nan forme ça, si vous regardez bien, c'est là pour li pa nan forme ça, li pa non plus nan forme ça. Donc droite là il yo doit parallèle parce que côté ou slap là même avec droite pouce là, c'est dans petit coin ça, hein. Donc lui même c'est coin ça exactement. C'est là où slap. C'est ça qui fait en parallèle pour jouer parce que si vous mettez dans forme ça, vous gagnez chance pour frapper code qui en haut, et si vous mettez dans swap slap comme ça, vous gagnez chance tout pour frapper code qui en bas. Donc, c'est un nombre qui m'a demandé un pile pratique tout pour capable maîtriser à faire slap là. Donc, le wap slap c'est en parallèle doit tout doyer en fonction des codes wap slap sous lire. Et ça a aidé à éviter bruit. Donc il y a un musicien qui est professionnel, alors je veux dire un bassiste professionnel qui sonne clair le lap slap. Donc ou après droite li toujours en parallèle avec code que lap slap là. OK? Donc slap là lui même c'est qui ça lui? Son style de musique ou gen doit bassiste ou pas ka slap bien. Parce que gen moun ki développe slap la, par exemple yon bassiste ke m konnen ki fè sa pil, li rele Marcus Müller. Et alors m'a parlé de yon bassiste ki pi populaire pou jounen jodi a, mais gen yon paquet lot bassiste ki te travay nan slap la, puisque c'est pas ça m'a fè jodi a, mais nou te ka parlé tout de Louis Johnson, yon paquet lot bassiste encore Abraham Laboriel etc. Mais en pil moun dans génération ça qu'a connait Marcus Müller, c'est un nan qui fait un pile musique slap.
Donc, dans quel style de musique vous découvrez slap en pile, c'est dans un style qui est le funk musique. Parce que dans funk musique, c'est basse là avec batterie qui est fondamental dans ce style. Ça. Parce que c'est vous qui mené la musique là. Que ce soit ta chanté là-dedans, que ce soit ta gagné un vent là-dedans. Donc, c'est basse là avec batterie qui mené la musique qui est la musique funk là. Ok, donc ça c'est un coup d'histoire de slap là. Donc on y a la l'op slap là, par exemple, si m'ap slap nan kod là, donc wap gade wap wè droit mwen en parallèle. Lem frape kod là, wè droit là en parallèle. M'pa fè ça. Ok, m'pa fè ça non plus. Donc yo en parallèle. Ok. Et yon nan gam pense que pour yon débutant à essayer travailler très bien c'est gam de mi parce que avec mi ou gen un code qui déjà vide code dernier code là qui vide donc ou gen doit pratiquer gam de mi qui c'est dans 7e casier et puis ou ploc toute gam nan. Par exemple ploc. Essayer ploc li avec index là ou bien premier doigt là ou bien deuxième doigt là donc c'est très important donc on y a yon bagay ko ka fè pour pratiquer ni slap ni ploc c'est côté que wap slap kod mi an et puis chaque lèv slap kod mi an ou ploc et yon note nan gam de mi an par exemple. Okay. Ouais, qui j'en lis bien facile. Donc, konye, et ça c'est une possibilité pour développer. Le wap commencer dans ce slap là, m'ta conseillé ou essayer comme ça. Avait dit wap plok gamme de mi et puis wap slap kod mi. Konye, yon l'autre bagaille qui important encore. Le nap slap, il gagne un bagaille qui rele muted. Ça veut dire faut konne, muted là c'est qui j'en pour. Diminuer bruit qui gagne dans slap là. Par exemple, si vous regardez si slap note mi, li rete a vibrer avec tout son là-dedans. Donc ça veut dire faut me gagne en façon si me pas veut son continuer pour me capable bloquer. Donc, yon nan meilleure façon capable faire gagne deux possibilités. Ou gagne doit fin slap après ça ou rebloquer avec même droite côté slap là. Ou bien, on a parlé de pouce là, ou bien ou slap ou bloquer avec main gauche. Yon nan droite nan main gauche. Ouais, c'est deux possibilités ça, c'est soit que me slap bloquer la après avec même droite n'était slap là ou bien m'utiliser main gauche moi droite yon droite nan main gauche là pour diminuer slap là. OK? Donc alors pour diminuer son pour lui pas continuer à sonner. Qui t'aime jouer une musique qui normal pour elle. Donc là gagnons l'autre possibilité me capable mute note là. Pour mute note là qui ça me fait? C'est note côté me slap là par exemple si me slap ré. Me gagne une possibilité. C'est soit que me fait même premier ça me dit ah avec une fin slap. Me fait droite pouce là retourner vinn bloquer son ou bien et droite qui était déjà sous note là me lever légèrement me pas lever net non pour le détacher de corde là non me lever sous casier pour lui pas coller sous bois sous table donc ça crée les tablatures là bon moi si mettre le comme ça si nous ca ouais très bien m'ap slap et puis me lever droite moins légèrement ouais. Donc me pas lever complètement. Ouais qui brille fait si me lever complètement. Donc me juste slap. Après ça me lever droite là légèrement tout petit. Donc là ça sont bloqué. Ou bien me quitter là
et puis me rebloquer avec pouce là. C'est même j'aime ça dire là. Donc ça veut dire si ma vieux musique ça, on ca utiliser toutes des techniques yo. Ça va dépendre de qui ça me sentir ca pi à l'aise moi. OK? On se tape encore. OK. Donc me souhaiter que nous comprenions. Donc parce que ça très très important, sinon que on toujours gagne un paquet de bruit dans musique là les wop slap. Mais si ou va commencer slap, ou pas besoin ba tête tout problème, même si ou gagne bruit là-dedans continuer parce que c'est un bagage qui m'a des pratiques, faut que ou pratique en pile jusqu'à ce que ou rive à l'aise avec lui. Donc à nous jouer musique normale pour nous t'avoir fait slap avec ploc une fois, OK? Donc qui je me fais ça, me slap code mien, après ça me fait un hammer on. C'est ça que me dit si ou bassiste déjà ou connaît bagaille ça déjà, il pas fin débutant vrai. Donc ou font hammer on de do dièse à ré. Même slap tous les deux. Donc on va faire slide, non, me fait un hammer on. Donc me fait mi ré do dièse ré et puis ploc. Bon, ou gen doit ploc nan mi. M'ap conseiller nou fè ploc la nan mi parce que si oreille ou habite avec gam nan, ou va dire oh c'est nan mi mié. Donc ke ou fè ploc la nan mi, OK? Donc mi do dièse ré ploc nan mi et puis ou recommencer. Donc 1 2 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 ploc OK, donc ça c'est un moyen où on doit commencer à apprendre slap. Donc tout de suite après ou fin développer doit tout dans gamme de mi. Donc ou ka commencer à passer effectif slap ça qui très important. Donc puis devant m'a pral vinn avec vidéo qui puis avancer pour montrer qui sont capable faire plus travail avec eux, mais ça c'est pour début. Apprendre d'abord, après ça n'a va venir avec quelques autres vidéos pour montrer plus bagaille toujours. Mais pour le moment apprendre ça. Mi do dièse ré et puis ploc nan mi aigu. Songez bien parallèle à code que vous avez slap là et puis ploc que ce soit avec premier doigt ou bien deuxième doigt. Donc m'espérer que leçon slap ça aide nous comprendre qui j'en pour nous pratiquer pour nous capable slap bien. C'était amis Wester des amis dans Basla Production et Basla Production Academy. M'espérer que nous pourrons l'autre vidéo slap. Pour le moment m'a dit nous bye bye.